Vendredi 27 janvier 2023, Grâce de Capitani était invitée dans l'émission Chez Jordan sur C8. Amère, la comédienne s'est confiée sur son départ de la série Scène de ménage. Pour rappel, elle a fait deux apparitions dans les primetime dans la série culte de M6, en 2015 et 2017. Elle incarnait Martine, une amie du couple de retraités Raymond et Huguette. Si elle a assuré au micro de Jordan Deluxe avoir beaucoup aimé participer à la série à succès puisqu'elle retrouvait Marion Guilhem et Gérard Hernandez, Grâce de Capitani n'a pas réservé le même enthousiasme à l'évocation de sa réplique de jeu. Amère, elle a en effet confié qu'il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui. Dans la série, le comédien interprétait le rôle de Norbert, son mari de fiction. Un collègue dont elle assure ne plus avoir aucune nouvelle, à ce jour. En effet, elle a révélé l'existence de tensions impliquant Jean Benguigui durant les tournages, ce qui aurait conduit la production de M6 à se passer du couple. Je crois qu'il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui. Si est-il ce qu'on m'a dit, a-t-elle admis. Et de poursuivre, non sans ressentiment, ils ne veulent plus de Jean Benguigui. Il était très capricieux. Mais la comédienne n'aime pas dire du mal et n'a pas donné d'avis personnel sur l'acteur de 78 ans au caractère vraisemblablement difficile. À la question de savoir si elle avait elle aussi subi les humeurs de son compagnon de jeu, elle a simplement levé les épaules. Ils auraient dû me faire divorcer Amère, la comédienne a tout de même bien fait comprendre à son hôte que son départ de la série n'était absolument pas volontaire. Elle espère même pouvoir y rejouer et a fait part de ses idées de scénario sur le plateau de chez Jordan, « Ils auraient dû me faire divorcer et épouser un jeune. J'aurais été une cougar », a-t-elle proposé. Un message caché aux équipes de M6 ?